Je m'appelle Maria Pascarella. Je viens de Naples. Je viens du Congo, ex-Zaïre. Je suis congolaise. Vous êtes en Suisse depuis combien de temps? Cette année, ça fera 20 ans. Mon nom, c'est Carmen Gomez. Vous êtes de quel pays? De quelle ville? D'Espagne. D'Espagne? Oui, de Malaga. Je viens de l'Argentine. Je suis en Suisse depuis 10 ans. Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de l'interculturalité dans les établissements médico-sociaux. Caméra à l'épaule, nous nous sommes immergés dans le quotidien des personnes âgées. La diversité culturelle est une réalité incontournable dans les EMS. Elle s'observe aussi bien chez les collaborateurs que les résidents, dont 13% sont nés à l'étranger. Ces chiffres augmenteront certainement dans les années à venir. Une recherche explorative dans 14 établissements médico-sociaux a mis en évidence les enjeux de cette diversité et la vulnérabilité des résidents d'origine étrangère. Et voilà ma chambre. Je m'appelle Gerda Godel et j'étais l'ancienne patronne de la patinoire, le restaurant de Montchoisy. On avait beaucoup de place et j'avais beaucoup de personnel italien. Vous aviez quel âge quand vous êtes venue en Suisse? Oh, j'avais 24 ans. Je suis venue en 53. Et après avoir passé évidemment une période assez dure, parce qu'on était occupés par les Allemands. Alors nous, les Danois, je dis nous, parce que je serai toujours danoise dans le cœur, et on est très paysans. Paysans avec des bêtes. Nous avons beaucoup d'élevage, des chevaux, de tout, quoi. Ça, c'est mes deux filles aussi. Ça, c'est aussi africain. Regarde ça, comme c'est drôle. Alors là, vous savez, mon mari et moi qui dansent, il aura 100 ans l'année prochaine. Il vient vous rendre visite ici? Tous les jours, presque. Ah. Et je l'adore. Tout vieux qu'il est. Et c'est un gentleman, si tous les hommes étaient comme lui, il n'y aura pas de malheur. Merci beaucoup. Oui. Merci. Skol, mesdames. Skol. 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 Vous avez fait une enquête et une recherche pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, dans 14 établissements médico-sociaux. Expliquez-nous en quoi consiste cette recherche. Alors je vais peut-être poser d'abord le contexte. On s'est rendu compte qu'il y avait très peu de recherches dans les établissements médico-sociaux sur les résidents migrants. Et on s'est dit, mais dans le fond, ces gens qui sont arrivés dans les années 50-60, ils ont vieilli, maintenant ils sont largement à la retraite. Et il y a un certain nombre de ces retraités migrants qui vont se trouver dans nos EMS et qui ont peut-être des besoins spécifiques, des attentes spécifiques. C'est un peu ça qui était au départ de la recherche. Qui a financé cette idée de recherche? C'est la Fondation Lennartz qui nous a permis de réaliser cette recherche. Et quels sont été finalement les buts, concrètement parlant, de cette recherche? Alors, l'objectif de la recherche, c'était de mieux comprendre les interactions entre les résidents migrants et les professionnels. Alors pourquoi mieux comprendre les interactions? Parce qu'on a découvert que dans les recherches, on mettait toujours l'accent sur les difficultés liées à la clientèle migrante, par exemple les patients dans les hôpitaux. Et nous, on postulait qu'il y avait aussi des richesses nouvelles et des ressources nouvelles. Donc on avait envie de mieux comprendre ce qui se passait, de voir un petit peu ce qui était mis en jeu dans cette relation.
Et puis, peut-être de proposer des pistes pour que la compréhension soit meilleure là où elle n'est pas très bonne. Et puis, pour peut-être potentialiser les ressources qui sont déjà là pour un avenir où il y aura beaucoup plus de résidents migrants. Maintenant, on a évalué à peu près à 13% dans les IMS vaudois et genevois. Provenant d'où spécifiquement? Justement, ces Italiens, ces Espagnols, des Portugais qui sont venus dans les années 50-60 pour travailler. D'où, Maria? Je viens de Naples. Et vous êtes en Suisse depuis combien de temps? Depuis 45 ans. Et votre mari, il travaillait beaucoup? Oui, il travaillait tous les jours. Et en quoi il travaillait? Dans une fabrique de pierres fines. Moi, j'étais mes dernières 3 ans de travail. J'étais aussi avec mon mari dans la fabrique. Vous partiez des fois en Italie à voir votre famille? Chaque année, on partait en Italie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rester en Suisse et puis pas rentrer chez vous? J'ai mes enfants ici. J'ai 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Le 1er janvier de 1935. Alors, je suis née à Barcelone. Depuis le 3 novembre de 1967 que je suis ici en Suisse. Alors, ça fait plus de 40 ans que je suis ici en Suisse et que je parle français. Vous étiez toute seule à ces moments quand vous êtes venue? Oui, j'étais toute seule. Je travaillais à la source, la clinique La Source, à la lingerie. Oh, je fais... Vous savez, c'est trop pénible pour moi de vous parler du passé parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne voudrais pas... que ça ne me dit rien de les raconter. Mais en tout cas, voilà, vous me voyez comme vous me voyez maintenant. Alors, je suis... Donc, ici, ça va faire 11 ans que je suis ici à la maison. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de rester en Suisse? Ah, ma fille me plaisait bien. Je me suis très bien adaptée à la Suisse. J'ai été très bien accueillie, très bien. Alors, ça fait que je n'ai eu pas la peine. Je ne me suis jamais ennuyée de mon pays, jamais. Bon, j'aimais bien mon pays, mais le fait de quitter, que j'étais pas mal jeune, alors ça fait que je me suis très bien habituée ici. Je n'ennuie pas mon pays. Parce que je suis espagnole, mais ici, ça m'a donné l'occasion de parler beaucoup français, d'apprendre le français. Vous parlez dans votre recherche de la suradaptation. Oui. Expliquez-nous en quoi consiste. Oui. Je parle surtout de ces résidents immigrés dans les années 50-60. Hein. Ils ont dû faire énormément d'efforts pour se conformer, hein, pour se suicider justement, hein, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir être intégrés. C'est des années où il y avait beaucoup de xénophobie. Hein. Il y en a qui nous parlent encore des remarques qu'ils ont entendues à l'époque. Donc, ils ont appris à faire profil bas, si vous voulez. Donc, ils sont âgés. En plus, ils sont dépendants de leur environnement. Donc, ça leur donne aussi une position de faiblesse parce qu'ils ont des pathologies. Et puis, on dit parfois que c'est une deuxième migration, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un nouveau milieu, cet hébergement collectif, c'est tout autre chose que ce qu'ils ont vécu à la maison, avec d'autres coutumes, d'autres habitudes. Donc, à force de s'adapter, on peut dire qu'ils sont suradaptés. Et ça se manifeste dans le fait qu'ils n'ont quasiment pas de demande. Et le drame, enfin, ce qui nous apparaît quand même comme assez tragique, c'est qu'ils ont très peu de demandes. Du coup, les soignants les sollicitent peu parce qu'ils disent mais ils ont l'air contents, ils ont peu de demandes, puis ça crée un cercle vicieux. Pas de demande, pas de sollicitation, pas de demande. Et finalement, on voit des attitudes de résignation, de ben, ma foi, c'est comme ça, j'ai bien été obligée d'accepter. Voilà. Vous
C'est de quel pays? De quelle ville? D'Espagne. D'Espagne? Oui, de Malaga. Et vous êtes venue avec votre mari? Non, mon mari, il était déjà là. 5 ans. Avant, il était seul. Déjà là. Pourquoi votre mari est venu après vous? Ah, parce que là-bas en Espagne, les choses étaient très mal. Oui, ils sont venus beaucoup de personnes. Elle avait la dictature encore. Franco, elle était... Si. C'était une période très difficile pour l'Espagne. Oui, oui, aussi. Beaucoup. Beaucoup. Oui. Ici en Suisse, vous gardez les enfants, vous travaillez? Je travaillais tout de suite à l'hôpital. À l'hôpital? Le premier travail que j'ai eu, c'est l'hôpital. Mais pas l'hôpital d'aujourd'hui, l'hôpital qu'il avait avant. Et qu'est-ce que vous aimez faire ici à l'EMS? J'ai fait la... Comment on s'appelle là déjà? La couture, peut-être? Non. Ah, Internet! Internet. Ah! Et vous aimez Internet? Oui, si? Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gomez. Je vous remercie. À vous. C'est moi. Est-ce que la question de la langue est une question fondamentale chez les résidents migrants? Oui, alors c'est vrai que les résidents qui ne parlent pas le français, c'est un vrai problème pour eux. Il y a parfois même de la détresse de ne pas être compris. Et c'est un problème pour les soignants qui doivent inventer toutes sortes de moyens pour se faire comprendre. Maintenant, il y a autre chose que j'aimerais dire par rapport à la langue. Ce qui nous a frappé, c'est que quand des résidents comprennent mal ou ne comprennent pas les soignants, l'explication, c'est tout de suite, c'est les troubles cognitifs. Mais on ne se pose pas la question, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a parlé le français mais qui l'a un peu oublié, mais qui pourrait peut-être comprendre dans sa langue maternelle. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le trouble cognitif qu'il faudrait cibler, mais c'est de pouvoir échanger avec quelqu'un qui parle sa langue. Et puis, parfois aussi pour d'autres choses, pour certains comportements ou pour certaines attitudes, très vite, on explique ça par les troubles cognitifs. Mais on oublie un peu la personne et puis on oublie aussi tout le contexte dans lequel vit cette personne, y compris le fait que c'est une personne migrante et qu'elle a toute une trajectoire quand même, je dirais, avec des ruptures. Surtout, en tout cas, ces gens qui sont venus ici dans des conditions difficiles et qui n'ont pas eu le choix, finalement. Hey, Madame Berger, bonjour. Je m'appelle Jérôme Azot, je suis directeur de la Fondation Montcalm depuis bientôt plus de 25 ans. La Fondation accueille actuellement 120 résidents permanents et on accueille encore deux jours dans des accueils temporaires plus de 150 personnes. On a eu depuis toujours entre 160 et 170 collaborateurs. Au départ, je pense que nous étions entre 25 et 28 nationalités. Aujourd'hui, on en est presque à 40. Donc ça, la pluriculturalité dans le personnel, elle est là depuis très longtemps. Par contre, dans les résidents, eh bien, c'est une évolution qui se fait petit à petit, où la Fondation prend les couleurs de la société et devient de plus en plus, elle aussi, multiculturelle. Du moment que je commence à parler français, les résidents, ils sentent mon accent. Alors, ils me disent, Eliana, d'où vous venez? Alors, je dis, je viens de l'Argentine. Oh, mais c'est trop loin, l'Argentine. Alors, il y a des échanges. Ils s'intéressent à savoir comment ça se passe en Argentine et en quoi j'ai travaillé. Et ils disent toujours, ah, vous mangez la viande argentine, c'est délicieux. Alors, je leur raconte qu'est-ce que c'est le maté, par exemple. On commence à créer des liens sociaux. C'est tisser la relation, justement, pour que la personne ait confiance en nous. Parce que ça, c'est la meilleure manière de pouvoir travailler, pouvoir les aider à finir sa vie le mieux possible. C'est sûr qu'on a la chance justement de profiter de cette multiculturalité du personnel pour trouver des réponses à la multiculturalité des résidents, mais avec quand même des fois des questions qui restent en panne. Notamment, évidemment, il y a aussi des envies chez les personnes migrantes et vieillissantes qui peuvent par exemple exprimer la volonté de vouloir mourir dans leur pays d'origine. Et ça, évidemment, ce sont des réponses qu'on n'a pas actuellement possibles. Et surtout, peut-être une des grandes questions importantes, puisqu'à la fin de la vie correspond toujours
un grand questionnement sur le plan spirituel, bah peut-être là aussi une difficulté de trouver des réponses à ces attentes-là, liées évidemment à la diversité des religions, parce que pour l'instant, on est quand même encore assez monolithique dans la dominante protestant-catholique. Mais maintenant, ben voilà, on a des bouddhistes et tout un tas d'autres religions qui peuvent venir. Et donc, à chaque fois, des réponses à apporter qu'on n'a pas toujours la possibilité d'apporter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation des résidents migrants? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, ce serait de reconnaître, de formaliser ce rôle des aides-soignantes déjà au niveau de l'interprétariat. Il y a l'animation qui devrait s'ouvrir sur des activités en lien avec d'autres cultures que la culture d'ici. Je pense qu'il faudrait, au niveau de l'accueil, peut-être donner plus d'importance au parcours migratoire et puis essayer de rendre vivante cette histoire de vie. Alors, il y a sidre d'érable, il y a la nuit. Voilà, madame Sanchi. Vous passez beaucoup de temps avec les résidents. Est-ce que vous avez l'occasion de partager votre parcours de vie avec eux? Eux, en même temps, ils vous racontent leur parcours de vie. Ça passe comment? Ah oui, surtout quand j'ai fait le jeudi après-midi la visite aux étages. Là, vraiment, il y a beaucoup de confidentialité que les résidents me confient pas mal de choses. Donc, c'est vraiment un partage. Et puis, c'est un moment ils aiment beaucoup de discuter parce qu'ils voient quand même qu'il y a une présence qui est avec eux. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup par rapport à la vie, comment il faut vivre, parce qu'ils ont eu pas mal d'expériences. Ils ont pas mal aussi eu des problèmes dans leur vie. Et j'ai vraiment beaucoup appris. Et je souhaiterais d'apprendre encore plus. Les personnes sachées sont des trésors. Sont des personnes sages. Tous les jours, je viens à travailler et j'apprends quelque chose. Sont des personnes qui sont vécues 90 ans dans cette terre. Je vais vous raconter une anecdote. Une dame, et l'autre jour, il m'a dit, Eliana, c'est quelle heure? J'ai dit, c'est 8 heures du matin, madame, et dimanche, il y a du soleil, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. Il m'a dit, ay, Eliana, c'est bien. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à vous enseigner. Si je dois mourir, laissez-moi mourir le plus tard possible. Alors, une chose comme ça, comment je ne vais pas aimer? C'est fantastique. Donc, j'apprends des choses de chacun, de chacune, de son histoire. J'ai appris à avoir la patience. Avant, j'étais inquiète comment mon côté latino-américain. Et puis ici, avec les personnes sachées, j'ai appris à avoir la patience. La patience, c'est la mère des vertus. C'est ça qui me dit la résidente. Et j'apprends tout ça. Maintenant, je pense qu'au niveau de la formation, il ne s'agit pas de former le personnel à toutes les spécificités de chaque culture. Moi, je pense que c'est plus au niveau de l'état d'esprit. Et ce n'est pas tellement les aides-soignantes, peut-être, qu'il faudrait former. C'est plutôt les gens qui sont d'ici, hein, à ouvrir un peu cette vision quand même toujours un peu ethnocentrique qu'on a. Hein. On pense que partout, c'est comme ici. Et je pense que là, on pourrait faire des choses pour ouvrir un peu, comme on l'a fait pour le travail interdisciplinaire. On peut le faire pour l'interculturel, c'est un peu la même démarche. Pour conclure, pourquoi est-ce que votre recherche est importante? Alors, moi je dirais qu'une des choses importantes, c'est que c'est un peu des gens sans voix, c'est-à-dire des gens qui n'expriment pas leur réalité, leurs besoins. Donc c'est important qu'on s'intéresse à leur voix. Et en plus, je dirais qu'ils sont les ambassadeurs de résidents, aussi de résidents qui sont nés ici, mais qui sont aussi parfois très adaptés. Et par rapport à cette adaptation, il y a aussi un effet de cohorte. Ça va changer avec les générations suivantes, je pense. Et effectivement, on voit que dans les années suivantes, on va avoir de plus en plus de résidents migrants aussi. Oui, alors ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Et qui seront peut-être moins adaptés. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Bien sûr, toute l'histoire du résident pour essayer d'adapter autour de cette histoire un programme socio-culturel qu'on puisse aussi lui donner goût
à la vie dans les derniers moments faits de sa vie. Hein. Donc il faut qu'on puisse aussi que ces années-là se passent le mieux possible pour eux. On a des résidents qui aimeraient bien manger un plat de leur pays, alors on essaye de répondre à ça. Ben, les Italiens, ils aiment bien manger la pizza, ben, nous aussi d'ailleurs, mais disons, on essaiera de faire des soirées autour de thèmes italiens, des vins italiens, etc. On a 30 nationalités différentes sur 200 collaborateurs. Donc en fait, on retrouve aussi toute cette diversité auprès des collaborateurs, mais c'est une richesse en fait. C'est une richesse parce que les personnes ont une sensibilité différente et ça donne de la couleur. On peut faire des animations autour de thèmes culturels différents que ceux de notre contrée. Les personnes âgées qui souhaitent entrer dans les établissements médico-sociaux, où peuvent-elles se renseigner? C'est peut-être le médecin qui est le premier recours à ce moment-là. S'il n'y a pas de médecin, après il y a les CMS. Et c'est en fait souvent l'infirmière du CMS ou la personne du CMS qui va tirer la sonnette d'alarme. Après, ça va être l'assistant social qui va prendre le dossier. C'est souvent comme ça que ça se passe. La meilleure des choses, en fait, si on pouvait conseiller les personnes, ce serait déjà avant de rentrer d'urgence dans un MS, c'est d'aller les visiter, c'est de savoir ce qu'on peut leur offrir, ce qu'on peut faire de mieux pour eux. Puis le moment venu, dire aux infirmières de liaison, aux CMS, etc., j'aimerais aller à la Rosa Vert, j'aimerais aller dans un autre MS. Apprentis ensemble, on a fait un projet entre apprentis et puis pour les résidents. Donc on a organisé toute une journée pour les résidents. Les 100 continents, c'était un thème qui n'était pas encore développé. Donc on s'est dit que ça peut être sympa vu qu'il y a plusieurs personnes de nationalités différentes à Montcalm. Alors l'Amérique, c'est un continent de l'hémisphère ouest de la Terre. Il est entouré de l'océan Atlantique et Pacifique. Et ce continent se constitue de 35 pays. Combien y a-t-il de continents sur la Terre? 3? Là, on peut tous les voir. 5? Madame, elle dit 5. Si je suis à Paris, dans quel continent suis-je? Je sais, mais... Merci. Merci. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes passionnants d'aujourd'hui, voir ou revoir nos émissions, nous envoyer vos manifestations multiculturelles, rendez-vous sur notre site internet www.carrefourtv.ch. Merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista!
Estoy muy contenta porque tengo dos jóvenes guapísimos. El que lleva su nombre, Erwin. El suyo, Laurent. El tuyo, Violeta. Violeta, como Violeta Imperial. La 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 Violeta de España. Gracias, Nieves. Muchas gracias. Gracias a ti y al programa. C'est très bien, je suis très contente.